Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, réaventure sur The Last of Us Part 1. Et on retrouve le frérot Joël évidemment, 4K 60 FPS, la base. Et on va essayer d'analyser la scène et de faire tout cela en full infiltration. En tout cas, je vais littéralement tout faire pour, ça serait incroyable. Bref, installez-vous confortablement, un petit truc à boire et pourquoi pas à manger. Et on est parti dans les bidonvilles. Et il s'en passe des choses dans les bidonvilles. Ok, un man ici. Un man là-haut. Très bien. Oh là là, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, je vous le dis. C'était quoi ça? Oh, il y a la brique. Oh, il y a une brique. Attends, quoi? Ok. C'est bon. Le surin donc est beaucoup plus rapide, mais néanmoins ça t'utilise un surin. Et ça c'est un petit peu dommage, évidemment. Ok, ça c'est fait. La brique. Oubliez pas que je crois que les ennemis localisent. Ok. Regardez, regardez son visage. Regardez son visage! C'est le visage de la mort. Ok. Pas mal. Qu'en pensez-vous? Très bien. On se déploie. Hein? C'était quoi? Alors attendez, attendez. Oh putain, il y a un mec là-bas. Ah. Oh, oh putain. Je suis volé. Ok. Hop. Désolé mon pote. Ok, 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 on se calme, on se calme, on se calme. C'est Ellie encore qui a tiré, ça. C'est Ellie qui fout sa merde. Il est ici. Ok. 1, 2, ils sont beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, là, non? Ok. Hey, il est par là. Il est pas ici. Très bien. On va essayer de s'éloigner avec eux. Vous savez quoi? On va faire tout le tour. Ils ont repris un petit peu une routine. On va en profiter. Ok. Il est où le... Ah oh, putain, il est là-haut. C'est ça. Il est par ici. Vers la brise. Oh la vache. On a chacun tiré à côté, frère. Des faux cow-boys. Mort. Continue. Il est où le dernier? Ok. Alors, je sais qu'on peut faire des trucs giga stylés comme The Last of Us 2. Mais là...
Waouh! Oh la vache! Ok. Bataille de cow-boy. Mort. Mort. C'est terminé pour lui. Ok, ça c'est pas mal, on prend. Comment on va faire? Déjà, on va reload. Ensuite. Ok, il n'y a plus personne. Et on va soigner tout simplement, je pense. Hein. Ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Je me souviens vraiment peu. Pour moi, il n'y avait pas le bandage qui apparaissait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre. Ok, ça on prend. Let's go. Bonsoir. Comment ça se passe ici? Ok. Je comptais pas trop traîner, mais enfin. Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Isvar! Robert! Ok, Joël, allez, par ici! Il s'est réfugié ici! Robert! Gauche, droite, gauche, droite. On a failli l'avoir! Ok, il est là. Joël! Ouais. Salut, Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a pas... nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi.
On doit partir d'ici, maintenant. Ok. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Bon, bah vous vous souvenez de ce qu'est le colis, entre guillemets, évidemment. Je connais un autre Par chemin. Contre, j'avais totalement Venez. Oublié la raison qui fait qu'on a eu ce colis-là, en fait. C'est ouf de replonger dedans, vraiment, hein. C'est ouf, hein. Et je l'avais tellement fait à l'époque, il y a 9 ans donc, en mode un petit peu rapide, entre guillemets, que j'étais pas ultra concentré sur la narration. Maintenant qu'on a déjà fait le 1 et que j'ai fait le 2, bah là, je suis beaucoup plus attentif et je me rends compte que je suis passé à côté de, d'un côté narratif à l'époque, il y a 9 ans, pas sur le 2, hein, mais il y a 9 ans, assez extraordinaire en vrai. Hein. Assez extraordinaire. Bordel de merde. Ce sont les Lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Ok, on va la suivre. Allez, toi comme ça, je suis jamais serein. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Ok. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Joël, Joël, on se gave ! Ok, très bien. Joël, donne-moi un coup de main. Mais bien sûr, Bibiche, bien sûr. Ah, c'était à moi de faire le mouvement acoustique. Je pensais que ça allait juste enclencher une cinématique. Ok. Hé, hey, tu tiens le coup ? Ça ira. Très très bien. Allez, on avance, Bibiche. Ah, les problèmes ? Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Ok, donc soit on la joue totalement discrètement, soit on tue des gens. On doit atteindre cette porte. Laquelle ? Ok. Ok, ok, ok. Pardon, excusez-moi. C'était pour tester la rigidité du bâton. Comme on dit dans le milieu. Vous avez choisi le mauvais jour pour nous faire chier. Allez vous faire foutre. Ok, ça en prend. Désolé mon ref. Ok. Ok. Soyez prudent. J'aimerais bien. Il y a un man là-haut. Personne là. On continue. Je kiffe le côté tu jettes une brique, tu cours sur le mec. Ils sont en force aujourd'hui. Un, deux, puis personne. Très bien. Très très bien. Bien. Ça va, ils regardent tous dans la même direction. Ils sont en mode putain, c'est vrai qu'il est beau ce porc. Oh peu cher. Ça c'est le porc des Kalenk. Hein. Ils regardent tous la même direction. Tu sais, il y en a plein qui se dit ah, on va se tourner, on va faire une petite ronde. Ils font oh peu cher. Oh merde, fallait que j'ouvre ma gueule. Fallait que j'ouvre ma gueule. Putain, on est en train de tuer des innocents, sa mère. Ils font que leur boulot, bordel de merde. Ok.
En vrai, lui, on peut le laisser, mais on va pas le laisser. Voilà, il a eu le droit à un petit saut de surprise. Le petit saut de cabri, comme on l'appelle. On s'en est plutôt bien tiré. Je sais pas comment ça s'est passé il y a 9 ans. Mais là, pas peu fier, je te le dis. En même temps, il bougeait pas beaucoup, hein, pour être très honnête avec vous. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On est plus... Ok. On n'est plus très loin, dit-il, dit-elle, disons-nous. Très bien. Ça va? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Ok. On est presque arrivé. Surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Et quelle justice? C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Ok. On est bientôt arrivé. De mémoire. Non, pas du tout, je m'en souviens pas. Là, on a quoi? Que dalle. Joël, donne-moi un coup de main. Oh, tu peux rien faire sans moi, c'est pas possible. Voilà, c'est une poignée, cousine. Attends un peu, relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. La merde, je vais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Bon. Alors, elle est pas très heureuse de me voir, hein. À savoir que c'est la première fois qu'elle me voit, évidemment. Je peux comprendre. Oh. J'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Je dois l'expert. Je te suis. T'inquiète pas, Ellie, on va devenir, toi et moi, de grands amis. Tu peux me faire confiance là-dessus. Alors, attendez. Je crois qu'il faut passer par là, non? Sûrement. Il faut passer... ouais, nickel. Par ici. Allez, viens, Bichette. Est passible de mort. Mais oui. Ne prenez aucun risque et signalez tout à l'heure. Mets des petits coups de pression toutes les deux secondes, Amy. Ok.
Et d'ailleurs, il me semble que c'est là qu'on va aller sur les toits, non? Pas envie de dire n'importe quoi. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Une petite minute. J'ai trouvé, Bibi, j'ai trouvé. Allez, on est parti. À chaque problème, sa solution. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui avait 8 ans quand The Last of Us d'origine est sorti? C'est exceptionnel, enfin c'est ouf. Et pire encore, 6 ans quand GTA 5 est sorti. Ça nous rajeunit pas cette histoire. Hein. Alors. Ce tunnel, vous faites du trafic dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. On fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Allez. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben. Youp. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Ok, il y a un petit mot juste ici qu'on va s'empresser de lire, évidemment. Allez, petite note. Oh, non, finalement, je retire ce que j'ai dit. Belle note. 8 boîtes de pilules, ok, même si je meurs de faim, je me fais jamais avaler ça. Ok, blablabla, blablabla, blablabla. 2 boîtes, d'accord. Quoi, Joël, quoi? Qu'est-ce que j'ai lu? Celle-là, c'est pour nous, Joël. Une bonne bouteille de scotch. Ok, d'accord, c'est des sortes de provisions. On va aller checker quand même s'il n'y a pas dans les placards, parce que vous savez qu'il faut tout fouiller dans The Last of Us, évidemment. Ok. Et là, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Allez, let's go. Je lui ai mis un coup de pression. Je trouve pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Ok. Très bien, générateur ascenseur. Bidon d'essence allumette. Allez, venez les bibiches.
Ok. J'appuie ou on fait quoi maintenant? Attends. Ah. Ça me paraissait évident. Allez, let's go! Vous êtes en position, les filles, c'est parti! Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ok. Ellie. Une fois sorti, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Écriture manuscrite, périmètre, camp isolé, ok, ok, ok. On va peut-être devoir traverser un camp d'infectés. De ce que j'ai pu lire. Putain, le degré de détail, il est quand même assez fou, hein. Les particules et tout. Bon, The Last of Us 2 reste, je pense, un tout petit cran plus affiné, plus beau, logique. En plus, c'est un open world, hein. c'est pas un remake. Mais là, le remake, tu sens qu'il est remaké, quoi, tu vois. Là, ils sont pas foutus de la gueule du monde, quand même. Tout a été retravaillé. Rien n'est flou. Parce que, mine de rien, The Last of Us, d'origine, date de la PlayStation 3. C'était quand même très, très flou. La PS3, c'était du 720p. On est en 4K, quand même. Si vous faites le calcul 5 à 6 fois, bah plus haute résolution, tout simplement. Cette pluie ne va pas nous aider. Je suis vraiment dehors. Ok. Par là-haut. Ok, très bien. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Scanlez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain! J'ai 2 soldats morts. Je répète. Suivez-moi. Vite. Ok, 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 ok. Putain, je me souviens pas du tout de cette phase. Signal, on court. Figé. Vas-y, cours. Allez, allez. Bah. Elle m'a dit de courir, mais on est sous les projecteurs. Vous arrêtez pas. Ok.
Putain, mais merde. Ok, c'est bon. On va se retrouver dans les égouts, là, cette allure. Clément. Donc tu réussiras à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Pas rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là? Sauf ordre contraire, emportez les chiens. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Suis Joël. Ok. Ils sont passés par là? Ah oui, d'accord, ok. C'est pour faire une petite pause. Merde. Tu vois quelque chose? Pour l'instant, c'est bon. Ok. Ok, très bien. On est posé. Les enfants. Ça doit être les enfants et Lucioles qu'ils vendent. On aura bientôt fini avec eux. Oh putain, c'est une voix hyper connue, le soldat. C'est un doubleur hyper connu. Bon, y a que des doubleurs hyper connus, mais enfin. C'est pour ça que Naughty Dog est très très fort d'ailleurs. Tant pis, les claqueurs se chargeront d'eux. Ok. Là je peux pas monter. Si, là je peux monter. Allez. On va checker là-haut. Très bien ça. Ah, petit salon de coiffure au calme. On peut passer par là. Mais avant de passer par là, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre incroyable aventure. Je vais un petit peu augmenter la luminosité parce que je vous vois d'ores et déjà, évidemment, arriver. Voilà. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'ai augmenté un petit peu la luminosité. A bientôt tout le monde. Bye bye. Et on a retiré le flou cinétique et le grain d'ailleurs. Ouais, c'est toujours inutile dans les jeux vidéo.